pensée. Et en fait, le groupe TUI veut faire de TUI une marque mondiale. C'est l'objectif également d'en faire une marque forte, puissante, notamment sur le digital. L'avantage d'une marque mondiale aussi, c'est une puissance d'achat. Et qui dit puissance d'achat, dit évidemment des prix plus attractifs et plus intéressants en matière hôtelière et en matière aérienne. Le groupe TUI, c'est plus de 30 millions de clients dans le monde. C'est 180 destinations, c'est 300 hôtels, c'est 140 avions, dont évidemment les avions de Corsair International, qui est également une propriété du groupe TUI. Et puis c'est surtout une offre qui veut couvrir tous les besoins, tous les désirs de voyage et tous les segments de clientèle. Merci et excellent courage. C'est surtout très intéressant au niveau des positionnements d'avions et beaucoup plus de sièges, beaucoup plus de destinations possibles. Ça fait toujours plaisir d'être reçu de cette façon. C'est un peu une reconnaissance pour nous aussi. Mais ça va nous permettre d'offrir un plus large choix aux clients des destinations, hein, surtout en ces périodes un petit peu difficiles. C'est vrai que le choix des destinations est quand même bien fait par rapport à la production pour nos clients, différents clubs, plusieurs formules proposées pour les adapter au mieux à notre clientèle. Alors je dirais enfin une belle offre au départ de Toulouse qu'on attendait nous pour nous en tout cas depuis très longtemps, et on est sûr du résultat et on est sûr que ça va faire le buzz sur Toulouse en tout cas, et on va tout faire pour que ça fonctionne. Donc on espère vraiment faire un beau partenariat cette année avec TUI, tout le groupe, hein. Et voilà, merci encore pour tout. On espère accueillir une belle année 2016 avec vous. J'ai grand plaisir à me retrouver ici à Toulouse avec toutes les équipes de TUI en partenariat avec l'aéroport de Toulouse. D'ailleurs, on a réussi à faire un partenariat très ambitieux et très prometteur. Donc hier, une soirée voilà, qui a été très, très festive, très conviviale, très forte participation de nos amis partenaires des réseaux tiers. Les équipes de TUI, ce matin, une conférence de presse avec la presse locale et la presse nationale pour annoncer évidemment nos projets de développement très ambitieux sur Toulouse, puisque nous avons décidé à partir de l'été 2016 de baser un avion qui sera complètement dédié à Toulouse. Donc ça représentera pratiquement 50 000 sièges. Nous offrirons à nos clients toulousains 17 vols par semaine, 14 destinations dont 8 nouvelles. Donc ça représente évidemment des enjeux très forts. Tout ça parce que nous croyons bien sûr au dynamisme de l'aéroport de Toulouse, au dynamisme de la région. Et puis ça sera complété également par l'installation en centre-ville avant l'été d'un TUI Store.